tous les 6 mois, selon les traités et les institutions européennes, on change de présidence de l'Union européenne. Il faut dire que c'est particulièrement coton d'y comprendre quelque chose, parce que c'est souvent vraiment très illisible. Donc là, les 6 mois de juillet à décembre avaient été présidés par le jeune chancelier autrichien Sébastien Kurz, qui a présidé au nom de l'Autriche l'ensemble du collège en fait des États membres. C'est-à-dire dans la co-législation face au Parlement, il y a le Conseil, mais pour entendre le Conseil en une seule voix, il y a un État qui est chargé de la présidence pendant 6 mois, et c'était pendant 6 mois la présidence autrichienne. On ne peut pas dire qu'ils aient vraiment bougé les lignes, mais vu de chez moi, c'est aussi bien, car il s'agit d'un régime qui est quand même très autoritaire aujourd'hui dans l'espace européen. Et maintenant, depuis le 1er janvier, ce sont les Roumains qui vont assumer la présidence, donc représenter les 28 et d'ici quelques semaines les 27 États membres, donner donc la position des États membres face au Parlement dans la co-législation. Donc la Roumanie a décidé de choisir comme priorité les problèmes de cohésion en Europe, la question des valeurs communes, celle de la sécurité et celle de faire en sorte que l'Europe soit un acteur important dans le dialogue mondial. Voilà ses priorités. Je trouve que la Roumanie aurait peut-être pu choisir le respect de l'état de droit et la lutte contre la corruption, mais même si ça n'est pas dans ses priorités, ce sujet sera souvent à l'ordre du jour pour le Parlement européen face au Conseil, représenté pendant les mois qui viennent par la Roumanie.